La région touristique du Bas-Saint-Laurent pour des vacances différentes, plus près que vous ne le pensez. Et Autopro, le plus grand réseau de professionnels pour l'auto, vous présente Bouscotte. La même image depuis 10 ans, avec sans doute la même conclusion que depuis 10 ans. Je t'ai pas demandé de baisser la musique. C'est bien que Paye aime pas ça quand on en fait jouer le matin. Oh! Ça se bouscule pas aux portes de la messe basse le matin? Où c'est que le monde est tout passé? Comme toi et dimanche soir, Philippe a dû tout voir pour être seulement capable de revenir à la maison. Et puis Victoriane a oublié pour une fois de venir nous faire sa petite crise neurasthénique, comme c'est d'habitude le cas toutes les fins de semaine. Pour ton père, ben comme toi le matin, il est allé au bureau de poste. Je pensais qu'il était revenu. Avant de descendre, il me semblait avoir entendu le bruit de sa machine. Tu t'es pas trompé, sauf qu'Antoine a préféré s'asseoir à sa galerie plutôt que se retrouver avec moi dans la salle à manger. C'est à cause de la musique que tu fais jouer, tu le sais bien. Ça te donne quoi d'être réveillé de même? Ça me fait du bien, puis que ça me fasse du bien, ça me suffit. Toujours pas de lettre de Charles. Fait 10 ans qu'Antoine en attend une de lui. Il serait mieux d'en faire son deuil, pareil à moi. Charles? Pourquoi tu l'as jamais aimé? Pour que j'aime ton frère, il aurait d'abord fallu qu'il veuille lui-même que je l'aime. Mais il savait à peine marcher qu'il pensait déjà à s'en aller loin de nous autres. Il y a des enfants de même. On n'y peut rien, personne. Pour ma part, je pense avoir agi envers Charles comme n'importe quelle mère l'aurait fait. Si j'ai bien compris, c'est justement ça que Pat te reproche. De t'être comporté envers Charles comme n'importe quelle mère, mais jamais comme la sienne propre. C'est pas de ma faute si j'avais pas seulement de Charles à m'occuper. Lui, attendait juste ça de moi. Autant pour Charles que pour Philippe. Victorienne ou bien pour moi, t'étais jamais à la maison. Quand je me suis mariée, c'était pas pour catiner des enfants en journée longue.
Avec toutes les idées qu'Antoine avait en tête, ça prenait quelqu'un pour l'assister. Sans ça, qu'est-ce que tu penses que serait devenu la quincaillerie, la boutique de forge, les postes d'essence, puis le musée d'automobile? Bien des chances que tout ça appartiendra à d'autres maintenant. C'est sans doute vrai. Sauf que ça règle rien par rapport à Charles Piappa. Mais tu veux jamais en parler autrement que pour la forme. Il doit bien y avoir une vraie raison, c'est ça? Charles aurait pu rester avec nous autres. S'il a préféré s'en aller à Montréal sans jamais nous donner de nouvelles depuis, il y a juste lui qui pourrait dire pourquoi. Moi, j'en sais rien. Ça m'étonnerait pas qu'une femme soit mélassée. Si tu fais allusion à maîtresse de ton père, tu le fais pour rien. Mélina est revenue à Trois Pistoles après le départ de Charles pour Montréal. De toute façon, comme tu es toujours resté avec nous autres, hein, c'est autant là-dessus que n'importe qui de la famille. Tu seras aussi bien de t'asseoir puis manger comme il faut avant d'aller travailler. Un café, ça n'a rien à voir avec un vrai déjeuner. D'habitude, t'as autrement plus d'appétit. Comme j'ai pas fait de carême l'hiver passé, mettons que je prends de l'avance pour le prochain. T'as quelque chose comme? Peut-être que si tu parlais un peu à ton père... Je vais y parler comme je le fais tous les matins avant de me rendre à la boutique de forge. Contente, là? Allô? Et c'est ta mère, Victorienne. Qui d'autre voudrais-tu que ça soit? Je t'écoute. Il me semble que ça fait 20 ans que je fais juste ça. T'écouter. Pas grand-chose le matin. J'aime mieux de t'en aller à la boutique de forme. Ah oui, je ferais mieux, c'est certain. Mais j'aime autant me retrouver ici pour le moment. Je suis pas obligé de te faire un dessin pour que tu comprennes beaucoup. Ce que je comprends surtout, c'est d'avoir enfin la paix, ce sera pas encore pour un matin. La paix, tu l'aurais peut-être si tu pensais moins à Charles. Après 10 ans. Après 10 ans, c'est encore hier. C'est pas une raison, tu le sais bien. Une seule dans la famille à croire que Charles va revenir un jour. Et on sait même pas où il est. Pas plus qu'on sait ce qu'il fait, mais avec qui ça se fait. Et? T'as jamais pensé que Charles... Non, Génie. C'est pas la peine de continuer, là. C'est quand même une possibilité. On dirait peut-être mieux que tu la regardes en face une bonne fois. Pour les décisions que tu serais bien obligé de prendre. Pour ces décisions-là, je sais que ça ferait votre affaire à toi puis Philippe. Si on apprenait que Charles est mort... Plutôt que vivant. À Montréal, ben non, ailleurs. Mais Philippe pis moi, là, on pense rien de ça. Ce serait préférable parce qu'autrement, vous risqueriez de connaître un aspect de moi-même que c'est mieux de le laisser là où qu'il se trouve. Comme ça pouvait me faire peur. Pauvre père. Ce serait plutôt toi qui fondrais devant réalité si tu veux l'avoir un jour en pleine face. Tu me dis tout le temps que je dois pas arriver en retard à l'école. Mais c'est toujours ta faute quand ça se produit. Je t'ai signé d'avance toute une série de billets qui justifient tes retards. T'auras juste à t'en servir. J'en ai encore pour une minute, pas plus. Ça va être long encore. Juste une minute que je t'ai dit. C'est un ordinateur, Bouscotte, pas un jeu de Nintendo. Tu vas encore me le mettre en morceaux. Je serais déjà rendu à l'école si tu tapais là-dessus plutôt que d'écrire à la main. Il y a certaines choses qu'on peut pas écrire à machine. Ça serait pas correct pour les gens à qui on s'adresse. Pourquoi tu leur téléphones pas d'abord?
Parce que ça non plus, ça serait pas correct. Quand ça va plus vite, ça devrait toujours être correct. Tu répliques tout le temps à tout ce que je dis, hein? Va falloir faire caucus là-dessus tantôt. Ça serait mieux qu'on fasse caucus sur Fanny. Fanny revient de Toronto cet après-midi? Ça fait une semaine que Fanny doit venir de Toronto cet après-midi. Et quand on joue dans un film américain, on fait pas ce qu'on veut. Dans ce cas-là, tu devrais jouer dans le même film que Fanny, parce que toi non plus, tu fais pas ce que tu veux. Ici. Je te promets que ce soir, on va savoir pour Fanny. OK? En attendant, on attend l'école. Tiens, jette-moi cette lettre-là à la poste quand tu vas passer devant boîte à lettres. Je lui ai écrit depuis 3 mois, puis t'as jamais de réponse. Pourquoi tu continues? Si j'ai pas de réponse cette fois-ci, il y en aura plus d'autres lettres de ma part. OK? Oh, 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 oh. Fais-moi plaisir aujourd'hui. Tâche d'être pas trop sacripant à l'école. C'est pas moi qui le m'accommode. C'est les autres qui sont trop tranquilles. Me semble, ouais. C'est vrai. Ouais, ouais. Entreprise Charles Beauchemin, je vous écoute. C'est pas trop tôt, Fanny. Non, 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 non. C'est pas ça que je veux entendre pour le moment. Je veux d'abord savoir où est-ce que t'es. À Toronto ou bien à Montréal? En plus. Heureusement que c'est la dernière parce que ça commence à me fatiguer pas mal. On n'entendra plus jamais parler de ça maintenant. En plein repos, certain. On ne choisit pas d'avoir un accident. Mais on peut choisir son carrossier. Plus d'un million de Canadiens ont fait confiance à AutoPro, le plus grand réseau de professionnels pour l'auto. AutoPro Carrosserie, un accueil impeccable. Un travail professionnel. Des techniciens qualifiés. Des équipements spécialisés. Et en plus de la garantie nationale AutoPro, profitez de notre protection déductible. AutoPro Carrosserie, votre carrossier de confiance. Le jour comme la nuit, du fromage, ça se prend toujours bien. Vous avez le fromage, vous avez le choix. Jour de ménage, faudrait bien. Oh! Bon, du courage! Des reçus. Paperasse, carte de crédit, permis de pêche, club vidéo. Ah, la conseillère Desjardins, faudrait que je la rappelle. Peu importe votre type de portefeuille, les conseillers Desjardins ont tous les outils pour vous aider à mettre de l'ordre dans vos affaires. Rappelez, conseillère. C'est-tu le chemin? Non, mais je sais où me renseigner. Je suis membre CA. Je veux le chemin pour Fort Lauderdale. Tout est là-dedans. Mais avant, je vais vous donner la liste de nos garages recommandés. Madame, je suis pressé. Et la liste de nos rabais avant. Hey, dépêche! C'est vrai qu'il fait pas chaud aujourd'hui. Viens aussi. Laisse faire. Vous pouvez aussi profiter des services de notre agence de voyage, hein, si jamais vous pensez. Besoin de vacances? Imaginez les vôtres au Bas-Saint-Laurent. Vous tomberez en amour avec la région et ses paysages plus vrais que nature. Le Bas-Saint-Laurent, un
un voyage différent, un monde différent. Plus près que vous ne le pensez. Le Bas-Saint-Laurent, là où vous aimerez revenir. Je suis assez présentable pour avoir maintenant le droit de m'asseoir avec toi. Je peux me passer de ton humour pour un matin. Ça tombe bien, moi aussi. Par quoi tu veux qu'on commence? Comme c'est toi qui as demandé qu'on se parle, j'ai rien d'autre à faire que t'écouter. J'espère seulement que là-dedans, t'en as barbouillé moins long que la semaine passée. Depuis bientôt 30 ans que je prends des notes dans des carnets comme celui-là, tu devrais t'habituer. Des choses importantes, je vois pas pourquoi on aurait besoin de les noter. Sa mémoire passe à côté, c'est sûrement que ça mérite pas mieux. T'as le droit de le penser, mais pas celui de t'en plaindre. Ah, je m'en plains pas. J'attends juste que t'embarques dans ta machine pour que ça décolle enfin. Pour les affaires domestiques, tout irait bien si c'était pas de Victorienne. Faudrait qu'on pense sérieusement à une solution. Victorienne a voulu se marier avec un brocanteur, témoin de Jéhovah en plus. Maintenant que c'est fait, son mari a juste à s'occuper d'elle. Marie-Victor est partie au Nouveau-Brunswick un matin pour courir les anticaéries. La semaine passée, c'était en Gaspésie. En épousant son pédeleur de vieux chaudron, Victorienne savait que ça se passerait de même, comme ça dure depuis 4 ans. Victorienne a fait 2 fausses couches qui l'ont passablement mêlée dans sa tête. Ouais, ça, j'y peux rien. Puis toi non plus. Sans doute. Mais attends-toi à avoir ton tir à 3 pistoles pas tard dans la journée. On verra quand ça arrivera, puis si ça doit arriver. Quoi d'autre, là, dans ton carnet, là? Nos postes d'essence marchent sans problème parce que je m'en occupe, bien évidemment. Bien évidemment. Quant à ton musée d'automobile... Comme mon musée concerne personne d'autre que moi, tu peux encore tourner une feuille. Puis j'espère que ce sera la dernière. Reste la quincaillerie. On commence à avoir de sérieux problèmes pour l'approvisionnement en bois. De le faire venir de Québec ou bien du fin fond de la Gaspésie, ça gruge presque toute notre marge de profit. C'est pas à moi que tu dois parler de ça, c'est à Philippe. T'as voulu en faire le gérant de la quincaillerie, débrouille-toi avec lui. Moi, je m'enlève les mains comme Ponce Pilate. Me reste une page dans mon carnet. Ben, garde-la pour notre caucus la semaine prochaine. Moi, j'ai des voitures à mettre en ordre pour le musée. C'est au sujet de Charles. Comme t'as déjà donné commission à Génie de m'en parler tantôt, tu peux déchirer cette feuille-là de ton carnet. J'ai rien demandé à Génie. Oh, excuse-moi. Je me suis trompé sur mon choix de mots. Plutôt que de parler de commission, j'aurais dû parler d'ordre. Tu te trompes là-dessus. Comme tu pourrais bien aussi te tromper sur Charles. Pourquoi tu veux jamais qu'on en parle? Parce que ce serait perdre ton temps. Aussi bien que le mien. Évidemment, ça doit être plus facile pour toi d'en jaser avec Mélina. Ça doit être plus facile. Ben, évidemment. Allô? Mais oui, mais à l'heure qu'il est, Philippe devrait déjà se retrouver à quincaillerie. Ça peut attendre au moins jusqu'à ce... C'est correct, d'abord, j'y vais tout de suite. En espérant qu'Antoine n'ait pas l'idée de s'y rendre avant moi. Philippe, t'es avec vous autres? Je l'ai pas encore vu dans le coin, mais je peux appeler au bureau si vous voulez. Tu m'attends, la place de Philippe, c'est d'être ici. Tu ne pas avoir l'appelé nulle part pour ça. Je peux quand même vérifier. Non, c'est pas le problème. La petite idée où est-ce qu'il peut bien être. Merci, pareil. Comment ça se fait que vous êtes là, vous autres? C'était l'idée de Philippe, hier soir.
Quand les bars enfermés, ça tourne bonheur à son goût pour dormir. Ça fait qu'on a traîné une caisse de bière jusqu'ici. Comme ça, on était certain de ne pas être dérangé. Ça fait mieux quand on n'est pas dérangé. Je vous en fais, moi, du dérangement. Attendez juste que j'ouvre la porte, vous allez voir. Je vous ai prévenu la dernière fois que vous êtes venu ici. Eh, hey, pas de suite de même. De quoi qu'il y a quelque chose à te proposer avant. Paraît qu'au pognet, tu peux casser n'importe qui. Ben, si t'es un homme, viens donc t'asseyer là-dessus. Je perds pas mon temps avec des femmes lettres comme toi. Avant que je te donne ta chance, là, continue bien tranquillement d'empiler des madriers pour mon frère. Parce que si c'est gros, là, pas grand-chose là-dedans. 100$ que tu viens pas à bout de ça. Que je te démanche le bras, ce serait pas fin pour ta famille. Elle mange déjà assez de ballonnés de même. Ça fait que je vous ouvre la porte et vous sacrez toute votre vie. Chicken, chicken, chicken! Dors, pis ça presse. C'est pas parce que t'es d'un fauteuil roulant que tu peux tout te permettre, Manu Morancy. On faisait rien de mal, tu sais bien. Pis toi, un autre tort de même, pis t'as rien qu'oublié définitivement ta job. Mais moi, je voulais pas venir, hein. C'est Philippe. Débarrasse, débarrasse, je veux rien entendre. Okay. Toi, qu'est-ce que t'attends pour y enlever les clés de la boutique de Forge? Tantôt, je les ai données, pas à lui. Ça fait 2 sets de clés que j'y ai. Tu dois en avoir toute une collection. Si c'est le cas, il va s'en débarrasser pas plus tard que tout de suite. Ben, c'est peut-être pas le meilleur moyen. Pour dégriser quelqu'un, d'un coup, y a pas de médecine qui soit plus efficace. Garde-moi ça. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Comment ça se fait qu'il mouille de même? Dans ta tête qu'il mouille, puis pas ailleurs. Pas avant que je me fâche pour tout bon, c'est le temps que tu le comprennes. Et là? Me semblait bien que c'est encore ça que je verrai un matin. Viens dans la maison, faut que tu te changes. Mais tu devrais changer le père à la place, ça serait le meilleur profit. Viens t'en. Un petit lundi tranquille. J'imagine que ça serait trop demandé. Bouge pas. T'es-tu fait mal? Non, non. Bon. Si tu me racontais maintenant ce qui s'est passé à l'école. Il s'est rien passé. Hey. À récréation, le grand sourien voulait que je me batte avec lui. J'étais pas intéressée parce qu'il part tout le temps contre moi. Il arrêtait pas de m'écœurer. Après le coup de poing que j'ai reçu, fallait bien que je réponde. Comme d'habitude, il n'a pas voulu à mon croche à gauche. Bien fait pour lui. Je t'envoie pas à l'école pour que t'apprennes à te battre. Hein? Mais viens-t'en. On va aller jaser de ça devant le directeur. Ça peut attendre. Ça peut pas attendre, puis ça attendra pas. On y va donc tout de suite. Ah ouais, Grouille? Ou Scott? Tu le sais que tu gagneras pas, là. C'est la capitale culturelle du Bas-Saint-Laurent. Cet été, je vous y invite pour célébrer les fêtes du tricentenaire. Découvrez l'église, la maison de VLB et sa grande exposition sur Félix Leclerc. La guerre des clochers, une pièce inédite au Caveau Théâtre. La chasse aux baleines au parc de l'aventure basque. Et la fabuleuse île aux Basques d'où vous reviendrez tout plein de l'air salin du fleuve. Aux Trois Pistoles, on s'y arrête maintenant pour du grand plaisir culturel. Avec la nouvelle collection Découverte Junior, chaque semaine, partez à la rencontre de la grande aventure du monde. Textes courts, images fortes. Découverte Junior, tout le plaisir d'apprendre en famille. Une création, Gallimard et Larousse. En cadeau avec le numéro 1, les numéros 2 et 3 gratuits, plus un poster géant. Ah ah! Buongiorno!
Oh, du cheddar avec des fruits. Oui, du cheddar sur mes rôtis. Du fromage au déjeuner, ça me fait chanter. Oh oui, et pourquoi pas du mozzarella. Du mozzarella, par-ci, par-là. Mozzarella dans tous mes plats. Eh bien, tes voisins, du parmesan. Tartiné, grillé ou fondu, du fromage au déjeuner, c'est l'art de bien commencer la journée. Vous avez le fromage, vous avez le choix. On a vie du bon côté. On a vie du bon côté. On a le temps d'y goûter. Le temps d'y goûter. Jusqu'au bout de l'horizon, rouler du côté du soleil. Voici la toute nouvelle Toyota Camry. Rouler du côté du soleil. Et jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour boire du lait? Iriez-vous jusqu'à participer à un concours? Alors écoutez les émissions du matin à CKMF ou autres stations radio-énergie participantes et soyez parmi ceux qui assisteront à l'émission L'Écuyer. Lors de l'émission, deux personnes seront choisies pour relever le défi du concours Bon comme du lait. Et savez-vous ce que vous pourriez gagner? Une croisière à bord du Melia dans le Rouen, offerte par la chaîne hôtelière Sol Melia et par Calibessol. Alors, prêt, pas prêt, participez! Je ne gagne jamais sans mon lait. Au Beau Dimanche cette semaine, dernière de la série Les Grands Romantiques. Le plus beau cadeau que le romantisme nous a fait, nous aura fait et nous aura légué, c'est la capacité de rêver. George Nicholson et ses invités font le point sur l'œuvre de Liszt et de Berlioz. Mais avant, voyez... Bonne soirée. Les recherches vont reprendre demain pour récupérer le corps du jeune alpiniste Éric Frenette de Pont-Rouge. Il a perdu la vie hier dans une cavité dans le haut de la chute de l'Aîné à Saint-Raymond-de-Portneuf. Les usagers du train sur la rive sud devront transiter par la gare de Sainte-Foy, même pour les liaisons envers les Maritimes et la Gaspésie. La gare de Lévis fermera le 18 février et Via Rail promet d'en construire une nouvelle plus tard. Au revoir. Tu le sais que le père est tout le temps après moi. Peu importe ce que je fais, c'est jamais à son goût. Si tu commençais d'abord par arrêter de le provoquer, les choses changeraient peut-être. J'ai essayé toutes les façons possibles et impossibles d'agir avec lui. Peu importe comment je m'y prends, ça donne invariablement le même résultat. Tu sais ce que je pense du monde qui s'apitoie sur lui-même. Le temps, c'est trop précieux pour qu'on le perde à ça. Si je me trompe pas, tu voulais avoir la gérance de la quincaillerie puis Antoine te l'a donné. Il me l'a pas donné. C'est toi qui as tordu le bras pour que ça arrive. Comment c'est arrivé, je vois pas l'intérêt d'en parler. L'important, c'est que tu te comportes comme un gérant de quincaillerie, rien d'autre. Ça veut dire notamment qu'il serait temps que je mette de côté toutes les beuveries avec du monde aussi pur commandable que le Couac, puis Manu Morancy. Ce qui se passe en dehors de mon travail à la quincaillerie, regarde juste moi. Manu est le seul vrai chum que j'ai jamais eu. C'est pas un homme de ton âge, puis c'est pas quelqu'un à qui on peut faire confiance. Toi puis le père, vous l'aimez plus depuis que gagné son procès contre la quincaillerie. Il aurait dû le perdre, son procès. On monte pas dans les échafaudages d'un clocher d'église quand on est sous mort. Ça a jamais été prouvé qu'il l'était quand il est tombé de là. De toute façon, ces assurances qui ont payé pas la quincaillerie, pour le reste, je te l'ai dit tantôt, ça regarde juste ma vie privée. Comme il faut que je m'en aille à la quincaillerie, on va dire que le débat y est. Attends une minute. Il y a un autre point dont il faut qu'on parle. Je me doute de ce que c'est. T'as eu, comme toutes les semaines, ta petite réunion avec le père, puis par rapport à nos problèmes d'approvisionnement en bois, ça n'a rien donné comme d'habitude. Je mettrais même ma main au feu que tu n'y as pas parlé de la solution que je t'ai proposée. Antoine était bien assez à pic de même sans que j'y mentionne en plus le nom des Bérubés de Saint-Jean-de-Dieu. Tu sais comme moi à quel point ils aguillent, les Bérubés. Pour une histoire que plus personne sait que ça en a déjà été une. Pendant ce temps-là, on est en train de perdre tout notre marché parce que le bois qu'on achète nous coûte trop cher. Pour agir, j'attendrai pas que le père se branche. Tu devais prendre contact avec les Bérubés. Comme tu l'as pas fait, moment chargé. On peut pas, Philippe. Pas avant la semaine prochaine. C'est aujourd'hui que ça va se passer, pas la semaine prochaine. Tu peux venir avec moi si tu veux. Tu peux rester bien tranquille ici. Le temps de préparer mes affaires pour les Bérubés, je devrais être à quincaillerie pour une couple d'heures encore. Après ça, les jeux vont jouer à ma façon. Ça pour une brosse puis un siodo. Si je m'en mêle pas encore, c'est pas demain que nos problèmes vont se régler. Je suis certain que tu m'as pas tout raconté encore.
Je veux pas que t'oublies rien. Mais un jour, tu viendras à Toronto ou à New York avec moi, puis je te montrerai vraiment comment ça se passe là-bas. Chaque fois qu'on se voit, tu me dis ça. Mais tu m'amènes jamais ni à Toronto, ni à New York. C'est parce que je travaille, Bouscotte. Mon nom, c'est pas Bouscotte. J'aime pas ça quand tu m'appelles Bouscotte. C'est plutôt sympathique, je trouve. Je suis pas une souche d'arbre aussi large que haute. Je suis pas faite en bois. C'est juste affectueux. Rien d'autre. J'ai rien contre vos effusions, mais il serait temps de passer à la table. Moi, j'ai pas faim. Je suis bien de même. On va respecter ce qu'on a convenu tous les trois, OK? On mange une bouchée ensemble, de préférence dans l'harmonie. Puis tu t'en vas à l'école pour qu'avec Fanny, je discute de ce qu'on va discuter. Comme c'est à mon sujet, j'aime mieux rester. Oui, c'est à ton sujet, mais pas seulement à ton sujet. C'est pour ça que Fanny et moi, on doit d'abord se parler tous les deux. Vous êtes déjà divorcés. Oui, ça n'empêche pas que Charles et moi, on puisse rester amis. Si vous vous aimez plus, vous pouvez pas rester amis. Si tu nous laissais d'abord en convenir, Fanny et moi, hein? Il faudrait peut-être mieux que tu te rapproches de la table, sinon c'est pas Bouscotte qui va le faire. M'appelle pas Bouscotte. On me surnommait de même quand j'étais petit, puis je m'en plaignais pas. Moi, j'aime pas ça, c'est tout. OK, d'accord. On va oublier Bouscotte dorénavant. Ça mange mieux assis, tu penses pas? Ouais. Comme il reste pas beaucoup de temps avant que tu te retrouves à l'école, Fanny puis moi, on te laisse la parole, Bouscotte. Je savais que tu recommencerais tout de suite. Excuse-moi. Ça m'est venu sans que je pense. Quand t'as divorcé avec Fanny, ça t'est venu aussi sans que tu y penses? Je te l'ai rapporté de bonne heure un matin, mais t'étais pas encore arrivé. Hey, j'en ai pris bien soin, comme à mon habitude. Alors, on s'en est servi juste pour les noces, comme convenu. Ah, j'avais pas d'inquiétude là-dessus. Tu veux que je te raccompagne chez vous? Ah, je devrais être encore bon pour marcher jusque-là. Pour les dédommagements que je te dois, là. Tu ne dois rien. Vois-tu, je te l'ai prêté, je te l'ai pas loué. Ah, ça fait rien. Je trouverais bien le moyen de te rendre ça un jour. Dans ce cas-là, c'est bien du guidou d'abord. Et là, tu vas m'excuser, hein, parce que j'ai bien de l'ouvrage. Ah, oui, oui, oui. Avec le touriste qui va arriver bateau, je comprends ça. Bon, ben... Et ça? T'es loin de ton patrimoine, je trouve. C'est pas pour rien que je me suis écouté en conséquence. Salut ben, Inès. Salut ben, toi-même. T'es vu un matin? Je pense qu'une fois par jour, c'est dans le suffisant en masse. Je vais te parler. J'ai pas le temps. Depuis 12 ans, t'en as jamais trouvé de temps. Plus question que j'attends. Donne-moi un coup de main pour que j'entre là-dedans. Si t'es venu jusqu'ici, tu t'as pas pour pouvoir. Faisons le temps pour rentrer. Sinon, reste dehors. Comme tu veux. Je risque juste de rester plus longtemps, c'est tout. Pour mettre en échec l'encrassement de mon moteur, j'utilise des filtres à huile UAP Napa. Et ils en ont pour tous les véhicules. UAP Napa, la vraie marque de confiance. De beaux raisins d'odieux et sucrés, dans des flocons de grains entiers avec du son. C'est ce qui donne un sucré de bon goût aux céréales Raisin Bran de Kellogg. Il y a deux pelletés de raisins dans chaque boîte. Et on veut les savourer. Jusqu'au tout dernier. Il y a du sucré de bon goût! À l'université, le monde n'en revient pas. Marie-Hélène Roger est malade. Dans la vie, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut nous arriver. Pour une personne comme moi, des médicaments, ça peut aller jusqu'à 15 000 $ par année.
J'ai pas ça, moi. Mais là, il m'arrive une belle affaire. Je vais les avoir, mes médicaments. Je vais pouvoir continuer ma vie, puis longtemps possible, j'espère. Avec l'assurance médicaments, tout le monde au Québec est maintenant assuré de pouvoir s'offrir les médicaments nécessaires à sa santé. Si vous avez des questions, composez sans frais ce numéro. Les chips Lay's sont si croustillantes et si savoureuses qu'il est difficile d'y résister. Les chips Lay's, savoureuses et maintenant ondulées. Gageons que vous ne pourrez plus vous arrêter. Pendant la vente du million chez Ameublement Tanguay, tout est gros, 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 sauf le prix. Et toute notre marchandise est à prix réduit, comme cet ensemble Elran, sofa, fauteuil, repose-pied intégré, garantie à vie, choix incroyable de tissus. La causeuse, toujours avec repose-pied intégré, 819 $, comme toute la marchandise payable dans un an, en janvier 98. Et vous pourrez même gagner une grosse, grosse, grosse surprise. Bon voyage! Voici une batterie. En apparence, elle ressemble aux autres. Mais c'est une batterie UAP Napa, conforme aux normes de qualité UAP Napa. UAP Napa, la vraie marque de confiance. Disponible chez Autopro et les détaillants autorisés UAP Napa. Manoir BVP. Rien de trop pompeux pour des seigneurs de province. Non, mais c'est vrai que pour bâtir une maison comme ça, c'est pas le bois qui lui est manqué. Ni la main-d'œuvre à bon marché. Philippe, on n'est pas venu ici pour porter commentaires négatifs sur les BVP. On est juste venu pour parler affaires. Je voudrais que tu te comportes en conséquence. C'est assez, tu te perds, qui arrête pas de me sermonner. C'est pas à peine que tu l'imites. Tu parles là. Comme tu vois, c'est pas le bois qui lui manquait pour ça aussi. S'il te plaît, Philippe. Je blague bien, comme tantôt. Boromir n'est pas encore arrivé. Pour l'attendre, vous avez qu'à entrer à la maison. Marie va vous recevoir. Moi, j'ai mon cheval à faire courir. Quand je te disais que la bonne femme est sauvage, c'est rien à côté du bonhomme à ce qui paraît. Mais rien de mieux que d'aller s'en rendre compte de visite. À moins que t'aies changé d'idée. C'est pas tout à fait mon genre, comme tu sais. On a un rendez-vous avec votre père. Oui, je sais, mais il est en retard. Ben, ça vous empêche pas de rentrer, par exemple. Tout ça, c'est d'histoire ancienne. J'ai été bien fort vers le P là-dessus. Comme c'est pas toi que la chose a rendu infirme, je peux le comprendre. Mais moi, j'ai le droit de voir ça autrement. T'as le droit. Sauf que ce droit-là me concerne plus. Je t'ai averti autant comme autant de pas te présenter sur mes chantiers quand t'es en boisson. T'as 24 gouvernants en conséquence. Comme ça, t'en serais peut-être pas tombé en bas du clocher de l'église. J'ai jamais rien reproché par rapport à ça. Même que si t'avais voulu régler ça à l'amiable, j'aurais été d'accord. T'avais déjà en masse d'argent pour boire. C'est ma vie. Ça m'appartient de l'amener comme je l'entends. Ça t'appartient. Sauf que quand tu fais guili-guili des nuits de temps avec Philippe, puis que ça le rend encore plus insolvable qu'il l'est de nature. Tu le traites comme un enfant. Faudrait donc pas t'étonner si Philippe réagit comme un enfant. Si t'es venu ici te me casser les oreilles, Philippe, t'as passé cette porte-là pour rien. Puis vaudrait mieux pour toi que t'as repart dans l'autre sens. Antoine, je suis pas venu ici pour la chicane. Et pour qu'on fasse la paix, toi puis moi. T'aurais été mieux de me proposer ça avant de me traîner un coup. Quand je pense que je te recevais chez nous quasiment au même titre que n'importe qui de ma famille. On pourrait en revenir là si t'étais d'accord. T'es pas mon genre de faire un pas en avant, deux pas en arrière. Je suis pas un marin ici, moi je suis un beau chemin. Non! C'est comme tu veux, Antoine. Et je suis patient. Je finirais bien par te convaincre malgré tout de mon amitié pour toi.
De l'amitié comme celle que tu me proposes, j'en ai pas besoin. Débarrasse. Des journées comme ça, où le soleil serait mieux coulé fin drette dans le fleuve plutôt que de se lever tout croche. Bouscot doit être à veille de rentrer de l'école. Ça serait mieux si on se mettait d'accord avant. J'ai pas à le faire. Il me semble que c'est clair. Ça fait 2 ans qu'on a divorcé, toi puis moi, parce qu'on ne pouvait plus s'entendre. À cause de ton métier, pas de ce qu'on vivait ensemble. Pour faire la navette entre Montréal, Toronto puis New York, t'aurais pas à attendre. Attendre quoi? Que Bouscot soit devenu un homme? Ça aurait pas changé grand-chose entre toi et moi. Sans doute. Mais pour Bouscot, ça aurait été différent. Tu voulais pas que j'en ai la garde. T'étais toujours entre 2 valises! Dans les aéroports, les enfants, ça s'élève plutôt mal. Tu devais prendre Bouscot avec toi au moins 2 mois par année. Ce que t'as jamais fait. Ça, c'était davantage qu'une promesse. C'était un engagement ferme de ta part. Mais j'ai eu plein de contrats imprévus, tu le sais bien. T'as surtout eu quelqu'un dans ta vie qui était assez riche pour t'amener à tout moment aux 4 coins du monde. Cette partie-là des choses, regarde juste moi. On s'est entendu là-dessus, il me semble bien. Oui. Oui, on s'est entendu là-dessus. Sauf que maintenant, Bouscot en souffre trop pour que ça continue comme c'est parti depuis 2 ans. C'est-à-dire? Ou bien, tu respectes ton engagement, puis tu prends Bouscot avec toi au moins 2 mois par année, comme c'était convenu. Ou bien, il vaudrait mieux, pour sa tranquillité comme pour la mienne, que tu nous oublies définitivement, toi et deux. Je vois pas d'autre solution. Tu réponds moi. Ça va dépendre si je signe le contrat qu'on m'a proposé pour l'été qui vient. Si tu l'as déjà signé, pourquoi tu le dis pas clairement? Puis pourquoi tu le dis pas clairement aussi que t'aimes pas assez Bouscot pour en prendre charge même 2 mois par année? C'est pas ça la question. La question, c'est pas autre chose que ça. Je sens que ça va finir comme ça finit toutes les autres fois. Là. Par de l'engueulage. Ça sera pas la peine. Ça sera pas la peine parce que j'ai tout compris. Fais quoi avec ça maintenant? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Juste aller lui parler. C'est trop te demander, ça. Je comprendrais ça si tu me disais qu'avant de m'affronter. Hey, plutôt que de m'en dévier, tu serais bien mieux d'aller cacher ton bois. Si Pat t'en trouve ici aujourd'hui, tu vas t'en trouver avec rien d'autre que ton bleu et tes timbres pour l'assurance chômage. Ah, c'est correct. Mais dis-toi bien que ma job terminée, là, morceau de comme un ressort. Quand j'ai peur, c'est effrayant. Hey, toi aussi, t'aurais intérêt à déguédiner. Commence pas à me parler comme ton père, toi. Me faire mettre en porte 3 fois dans la même journée, ce serait bien assez pour que mes ulcères variqueuses aux jambes me reviennent. Ça te donne quoi de provoquer le plan? Malgré ce qui s'est passé, je voudrais juste faire la paix. Après tout, on est quasiment beaux-frères, lui puis moi. T'es quand même pas allé au musée pour parler de Mélina, père. Vous parlez de ma sœur? Voyons donc, je suis peut-être infirme, mais pas fou, quand même. Je veux plus jamais rester avec lui. Je veux plus jamais rester avec quelqu'un qui est jamais là quand j'ai besoin de lui. J'ai besoin de toi, Jenny. Pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment besoin de toi. Besoin de vacances? Imaginez les vôtres au Bas-Saint-Laurent. Vous tomberez en amour avec la région et ses paysages plus vrais que nature. Le Bas-Saint-Laurent.
un voyage différent, un monde différent. Plus près que vous ne le pensez. Le Bas-Saint-Laurent, là où vous aimerez revenir. L'Oréal présente Color Endure, la couleur à lèvres ultra-tenue qui aide à garder vos lèvres souples, pas sèches, et qui reste sur vos lèvres. Et que sur vos lèvres? Ne bouge pas, ne fuis pas, comme le grand amour. Une couleur qui dure. Color Endure, la couleur à lèvres ultra-tenue par L'Oréal. Prêt? Prêt. Deux mots, premier mot. Non. Deux doigts, un doigt, trois doigts. Voilà. Deux yeux. Bye-bye. Oh, tiens! Mal à la tête? Non, deux pour un. Deux pour un. Deux pour un. Oh! Deux pour un, chef! Ouais. C'est le temps du 2 pour 1 chez Dunkin. 2 pour 1 sur les caprices du chef, les pêchés fruités et les beignes à saveur de liqueur. Jusqu'à 6 beignes gratuits par achat. Attention. Chapeau, Dunkin. C'est ça. Dunkin, c'est nous faire plaisir. Préparez-vous. Ce mercredi, le gros lot du loto 649 sera de 10 millions. 10 millions de dollars. Loto 649, ça change pas le monde. Sauf que... J'ai besoin d'aide, là. Et je suis perdu. Le cœur a ses passions que la raison ne connaît pas. Je t'aime. Qu'est-ce qui se passe, Tom? Hey, Louis. Fais attention à toi. Le cœur a ses besoins que la vie n'écoute pas. Tu m'es obligé de le reconnaître. Maintenant, j'aimerais te voir. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai besoin de toi. Le cœur a ses tourments que le temps ne guérit pas. Ils sont tous morts à cause de moi. J'aurais envie de disparaître. Quand le cœur bat trop fort. Urgence dès jeudi 20h. Allez, pensez-y. C'est un généreux colorant crème riche en hydratants. Excellence ne coule pas, aide à protéger vos cheveux et couvre vraiment les cheveux gris. Votre coloration en fait autant? Excellence crème de L'Oréal. Pensez-y bien. Votre voiture est un instrument de haute précision. Confiez-la donc à AutoPro. Avec son personnel qualifié et sa technologie de pointe, c'est l'expert en frein. Traction avant. Direction. Suspension et silencieux. Et vous profitez en plus de sa garantie nationale. AutoPro, le plus grand réseau de professionnels pour l'auto. Toute la tribu, tu l'as là-dessus. Excepté Briella. Ça doit être elle qui prend photo. Au milieu, le père Boromé. Même s'il est petit, c'est pas une raison pour se fier à lui. Là, c'est la mère Belline. Je les connais, Philippe. À gauche du père Boromé, Léonie qui t'a vu quand on est entré. C'est quand même drôle qu'elle porte le même prénom que toi, tu trouves pas? Ce qui est drôle, c'est qu'on soit pas plus nombreuses à le porter. Puis voilà les derniers de la tribu et non les moindres, les jumeaux Samuel et Benjamin. Foreman d'un chantier du bonheur. Avec une tribu pareille, c'est à comprendre pourquoi on nous enferme pendant une heure dans un salon au lieu de nous recevoir comme du monde. Juste par civilité, ça aurait été élémentaire dans la politesse qu'on nous offre au moins quelque chose à boire. Faudrait mieux que tu viennes t'asseoir. Quand on est chez soi, on est chez soi. Chez les étrangers, on respecte leurs coutumes. C'est pas une raison pour que la porte soit restée fermée. Je m'excuse pour avoir mis tant de temps avant de revenir. Ma petite est malade, fallait que je lui donne son médicament. C'est pas trop grave, j'espère. Oh, une mauvaise grippe, rien de plus. Ma mère est au téléphone. Pour mon père, ben, je pense qu'il y a des problèmes, mais ma mère va vous en parler. Quel genre de problème? Ma mère va vous en parler. J'ai bien peur que vous soyez venu de trois pistoles pourries. Boromé doit monter d'urgence dans son chantier de Biencourt par rapport à un problème grave à régler. Il vous fait le message qu'il va vous contacter dès son retour. C'est prévu pour quand? Attendez-vous pas à des nouvelles avant une semaine. Étant donné qu'on est ici, on pourrait peut-être vous dire pourquoi on veut voir votre mari. Je m'occupe ni des chantiers de Boromé, ni de son moulin ici. J'en ai assez avec ma ferme puis mes bêtes. Léonie va vous conduire à la porte, ça sera pas long. Une tribu de sauvages, je te l'avais bien dit. Personne n'a blâmé pour tes malheurs. Il y avait quelqu'un comme Marie-Victor, tu le savais. T'as pas les nerfs pour endurer ça.
Quand Marie-Victor y est avec moi, je n'ai pas de problème. Mais plus gros de son temps, Marie-Victor, il passe sa route. T'as jamais été capable de rester tout seul plus qu'une journée. Si Charles m'avait pas enfermé au grenier dans le vieux coffre de matelot, hein? Il t'avait 5 ans, Victorienne. 5 ans. J'avais peut-être 5 ans, mais c'est encore là pareil. C'est encore là pareil parce que tu t'obstines à pas vouloir l'oublier. Je peux pas. Aussitôt que Marie-Victor n'est plus avec moi, je peux pas. Mais t'as rien qu'à l'accompagner quand tu prends route. À moins que je me trompe, il demanderait pas mieux. Faire du pick-up, ça me rend malade. Il y a juste tout de suite que je me sens bien. C'est un peu tard pour t'en rendre compte, hein? Je vais emmener dans sa chambre en attendant le retour de Léonie. Il faut rien d'autre à faire, là. J'aimerais mieux que ce soit toi qui m'apporte dans ma chambre. Ah, mais t'as plus 5 ans, là. C'est temps que tu commences à le comprendre. Je vais toujours avoir 5 ans. Je vais toujours avoir 5 ans, moi. Tu peux-tu comprendre ça, toi, Jenny? C'est bien que oui, Victorine. C'est bien que je peux comprendre au moins ça. Pourquoi tu veux pas venir à côté de moi? Parce qu'après, tu vas t'en aller, puis moi, je vais juste sans m'ennuyer. Je partirai pas pour longtemps. Je vais revenir. Tu crois même pas ce que tu me dis. C'est Charles qui a raison. Tu m'aimes pas. Je veux pas que tu penses ça. Si c'était vrai, je serais pas descendue de Toronto pour te voir. Je sais, pour le moment, c'est plutôt dur pour toi. Mais il faut faire confiance à l'avenir. Demain, ça va être pareil comme aujourd'hui. Tu seras même plus là, puis moi, j'aurai rien d'autre à faire que de m'ennuyer. Il y a l'école? C'est plate, l'école. T'aimais ça pourtant avant? Avant, c'était toi que j'aimais, pas l'école. Je ne deviendrai jamais cosmonaute. Pourquoi pas? Parce que la NASA accepte jamais d'enfants abandonnés dans ses équipages. C'est Charles qui t'a raconté une histoire pareille? Mes histoires, je suis capable de les raconter tout seul. J'ai pas besoin de Charles pour ça. Quand je vais t'amener à Cap Kennedy... Je viens de te le dire, Fanny. Je suis capable de les raconter tout seul, mes histoires. Au moins, il n'y a pas de mentir dans les miennes. Mais je te jure que je te dis la vérité. Aussitôt que ça se règle pour mon projet de film à Toronto, je saute dans le premier avion, puis je viens te chercher. Pourquoi je te croirais? La dernière fois, tu m'avais dit que tu m'écrirais puis tu me téléphonerais tous les jours. J'ai juste reçu une carte postale, même pas un téléphone. J'ai été très occupée. Mais là, ça va être différent. Pourquoi ça serait différent? Parce que je t'aime avec toi-même. Je pensais pas que tu m'aimais autant. T'auras plus de chagrin à cause de moi. Ça serait mieux. Pourquoi tu me dis ça? Parce que je vais te tuer si tu m'encores comme les autres fois. Comprends-tu? Je vais t'obliger de te tuer.
pas entendu arriver. Tu m'as pas entendu parce que ça fait longtemps que je suis là. C'est juste de ça dont j'ai besoin. Vous a été présenté par UAP Napa. UAP Napa, la vraie marque de confiance. Et par la région touristique du Bas-Saint-Laurent, pour des vacances différentes, plus près que vous ne le pensez. Ici Radio